Yo les boys, c'est Grumpy Dave, voici une nouvelle vidéo de cuisine. Et là, l'heure est grave en tabarouette, parce que là, je me suis rendu compte, en un peu jour de l'an, en écoutant un film, que je mange peut-être pas mes pogos comme je le devrais. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours mangé mes pogos au micro-ondes, et là, j'ai goûté au micro-ondes au four. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire griller des pogos? Personnellement, je l'ai essayé au four, je l'ai essayé au micro-ondes, mais là, je me suis dit, hey, on l'essaye en plus au air fryer puis au toaster, hein, soyons fous. On va avoir besoin de pogo. Ta-da! That's it. Pogo, c'est bien simple. Si c'est pas marqué pogo sur le bâton, c'est parce que c'est pas un pogo. That's it, that's all. Si tu connais pas cette merveille de gastronomie, c'est parce que t'as passé à côté de ta vie, mon grand garçon. Cours au dépanneur, à l'épicerie, chez ta voisine, va chercher des pogos. Moi, j'adore ça. Des fois, un petit peu plus moutarde, des fois, un peu plus ketchup. Mais à la base, j'ai fait cuire au micro-ondes, comme je t'ai dit. Pourquoi? Parce que ça sauve un temps fou. Pogo aurait été créé en 1962 par Léopold Kerr, un petit gars de Boisbriand. Fait que c'est made in Canada, les amis. Moi, j'adore ça. Ça m'a sauvé souvent des petits cravings. Tu sais, quand t'as faim, mais pas trop, let's go, tu sais que les pogos. Comme je t'ai dit, moi, j'ai fait toujours au micro-ondes. Donc, une minute pour le premier pogo, 20 secondes par pogo supplémentaire. On commence avec le micro-ondes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Perso, une assiette bien standard. Je mets tout le temps un sopalin dans le fond, un petit Scott Tower et un pogo. Donc, c'est parti au micro-ondes pour 60 secondes. That's it. On voit déjà que la pâte est très molle, mais très chaud. That's it. Donc, nature, pogo, micro-ondes. Ouais, ça c'est le goût de mon enfance. Micro-ondes, all the way. Maintenant, on l'essaye au four. Donc, pogo four. Et c'est parti. Qu'est-ce que... Là, j'essaye le air fryer. Les instructions sur la boîte, ils disent pour une friteuse, ils disent 150 degrés Celsius, donc 300 Fahrenheit pendant 8 minutes. On essaye ça tout de suite. Let's go, mon minou! Test de goût, air fryer! OK. Ouais. Déjà là, la pâte est croustillante. Ça fait plaisir à goûter. Parce qu'au micro-ondes, c'est complètement... pâteux. Ouais. Puis 8 minutes, c'est quand même bon. C'est pas trop long non plus. Tiens, validé! Bon, ça fait 15 minutes, le pogo au four est cuit. On goûte ça. Ouais. 15 minutes, il est moins croustillant que le air fryer. À date, ça s'enlit sur le air fryer, mais... ouais. Bien que ça a été ma révolution récemment de découvrir les pogos au four, j'aime quand même mieux au air fryer finalement. Là, je dois te dire, le test qui me brain fuck le plus, c'est direct dans le toaster. Mais je veux l'essayer. Fait que là, je crinque ma roulette à 6 sur le toaster. Donc, je mets mon pogo dedans et je te reparle dans 6 minutes. That's it. Hey, regarde ça au toaster, mon ami. Bon, il a mangé une volée quand je l'ai sorti, là, mais... Il est grillé vraiment à point. J'ai hâte de voir s'il va être vraiment cuit ou pas. Mmh. Il est vraiment croustillant. Wow! Pour vrai, je t'avoue une chose, par exemple, je l'ai mis une minute au micro-ondes pour être capable de le mettre dans le toaster. Et c'est vraiment bon. Ouais. Ok. Très, très, très surpris. C'est à ça que ça ressemble. Micro-ondes. Air fryer. Le four. Et puis le grille-pain.
quand même fou, là. Donc, question de goût, je dirais, j'ai un petit fait pour le toaster, mais le toaster, pour y arriver, il faut passer au moins une minute dans le micro-ondes pour le faire comme préchauffer, puis ensuite le faire griller au four micro-ondes. Je suis un petit peu lâche. Fait que je te dirais la technique air fryer, tu mets ça 8 minutes, merci, bonsoir, tu t'en occupes même pas. Je préfère, quoique, je sais pas toi à la maison, marque-moi ça dans les commentaires. Moi, quand je mange des pogos, c'est pas parce que c'est pas bon, là. C'est juste parce que quand je mange des pogos, souvent, c'est parce que je suis pressé. Hein, j'ai pas eu le temps de faire le lunch. Fait que, gars, rapido presto, let's go, mon gars, on passe à autre chose. Fait que toi, si tu fais ça à même affaire aussi, qu'est-ce que tu manges quand t'es pressé? Dis-moi ça dans les commentaires. Fait que là, test de goût final. Je pense que je vais aller quand même avec mon bigron. Valeur d'enfance, souvenirs d'enfance, des goûts d'enfance. Ouais. J'espère que t'as aimé la vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo de folie. Et d'ici là, n'oublie pas la chose la plus importante. T'es incroyable!